c'est vrai. Oh là là, Germain, viens tout en là. Un poil ? Énorme, oui. Il y a blanc, hein ? T'inquiète pas. C'est Lulu, c'est Agnès, la fille de Claudine. Bonjour. On s'embrasse. Oui. Asseyez-vous. Je ne veux pas savoir ce que c'est devenu. La maison, l'atelier. La maison de mémé, le magasin. Et papa? Maintenant que tu t'en préoccupes. J'ai bien vécu jusqu'à la fin, merci. Ça n'a pas été trop difficile de l'enterrer avec maman? Pourquoi tu t'imagines que tout est difficile en Algérie? Il y tombe. N'inquiète pas, chez nous, elles n'ont pas été ouvertes, ça tu peux me croire. Je te crois pas. Ah bah. Les tombes des pieds noirs n'ont pas été profanées, peut-être. Ah, ça va. Oh. Georges, ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant, vivant. Tu vas rester maintenant, hein? Rester ici, en France. Georges, j'ai trouvé quelqu'un pour t'acheter la conserverie. Vous voulez que je reste, hein? Vous voulez que je vente, mais ça va pas, non? Tu vois bien qu'en Algérie, ça tourne mal. Et t'es contente, ça te fait plaisir, t'avais tout prévu il y a 30 ans. Tais-toi. Oui, la revanche, hein. 30 ans après, tu vas pouvoir dire, voilà, Georges a voulu faire le malin en 62, 30 ans après, il est obligé d'admettre qui avait raison, c'est ça? Parce que tu trouves qu'ils s'en sortent bien sans nous, peut-être, tes Arabes. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est l'Algérie, hein? C'est vous qui avez peur. Je suis très heureux, moi, Oran. Samedi, j'étais à la plage. Le soleil, les embouteillages, les filles, maillots de bain, deux pièces. Après, on est allé manger un bon poisson avec mon ami Ramani. On a fini dans une boîte de rail, whisky glace à 200 dinars. Pendant 30 ans, tu t'es préoccupé si j'avais besoin de toi? Alors ta charité te la garde. Allez, dégagez. Allez-vous-en, la pasta. Boum.